En attendant, la troupe Mozart a tenu à faire un très très beau cadeau aux enfants. Bien sûr, c'était une représentation exceptionnelle du spectacle devant les enfants. Dès là, on était là, on n'en a pas manqué une miette. C'était un très très beau moment, regardez. Le 24 novembre dernier, au Palais des Sports de Paris, l'association Ella était l'invitée d'honneur du spectacle musical Mozart, l'Opéra Rock. Je vais être votre guide et je vais vous faire visiter un truc que personne ne voit parce que c'est interdit au public. Ça s'appelle un backstage. Et c'est tout ce qui se passe derrière pendant la préparation du spectacle. Donc on va vous faire visiter un peu tout ça et vous allez découvrir la préparation, les coulisses de la préparation d'un spectacle. Alors allons-y. Surprise et émotion garantie, les enfants et leurs familles sont enchantés. Hey, on va chanter pour vous, d'accord? Bien, spécialement. Spéciale dédicace pour vous. Tatoue-moi sur tes seins, fais-le du bout de mes lèvres. Mes lèvres. Je baiserai tes mains, je ferai que ça te plaise. Il est temps de rejoindre la salle et de prendre place. Le show va bientôt commencer devant une salle comble. L'action Ella est portée autour des familles et de ces enfants malades. Et on fait tous ces événements, en fait, sont créés ou sont accompagnés autour de ces enfants. L'objectif premier est que ces enfants soient bien, qu'ils y prennent du plaisir, qu'ils soient heureux et qu'ils soient considérés finalement comme des enfants comme les autres. Le spectacle se termine, des étoiles brillent encore dans les yeux des enfants. Sincèrement, c'est un privilège pour nous. Je pense que les parents, toutes les personnes qui viennent pour l'association, et je pense qu'ils croient au rêve de nos enfants. Tous les autres enfants, ils ont des trucs que les parents voient normal. Nous, c'est un rêve de les voir comme ça. C'est un moment magique. Pour moi, c'est un vrai plaisir aussi de faire ça, de leur donner de la joie, et c'est très agréable. Et puis en même temps, c'est un problème aussi qui me touche, moi, personnellement, dans ma famille. J'ai un frère qui a 10 ans de plus que moi et qui aussi est malade, qui est handicapé mental et physique. Et je sais que ça n'a pas été facile non plus, donc c'est juste tellement agréable de leur... les faire venir ici, qu'ils aient le sourire. Merci à la troupe de Mozart pour ce très très joli cadeau pour les enfants.